Si notre Jaguar type E cabriolet a l'air de sortir d'usine, les apparences sont parfois trompeuses. En effet, cette voiture mythique cache un triste secret, elle possède un défaut dans le ralentissement. Notre expert a mis le doigt sur le problème et a trouvé un jeu au niveau de l'axe papillon, un petit clapet au niveau du carburateur qui permet de gérer le mélange air-carburant pour que la voiture puisse tourner correctement. Ici, il n'est pas correctement ajusté, il fait entrer une prise d'air et engendre donc un mauvais fonctionnement du ralenti. Pour régler ce problème, notre expert va démonter la cuve de carburateur pour remplacer le joint de cuve qui n'était pas étanche et qui était la cause de la fuite. Si on compare les deux joints côte à côte, le contraste est évident. L'ancien est sec et cassant, il n'est donc plus du tout étanche. Il ne reste donc plus qu'à remonter en prenant soin de changer de joint pour éviter les fuites.